Je vous retrouve ici les amis, bonjour à tous. Primavera 2016. Je rappelle que c'était un objectif de notre sponsor. On lui a proposé un top 3. Pour l'instant, on a une bonne équipe. Nos leaders sont en forme. Arthur Vichot, il y a Arnaud Demar. Et un seul homme devant, c'est l'américain Brown. Ah le pauvre, il était le seul à faire 290 et quelques kilomètres, je peux vous dire, le calvaire du coureur de la formation Cannondale Garmin. Alors maintenant, on accélère. Kevin Reza qui accélère au niveau de la du Capo Berta. Voilà, Brown vient d'être repris par Kevin Reza et l'attaque tout de suite. Ça part avec Zico Wintens, Tatevic qui refuse tout de suite, hein. Il veut pas qu'il y ait d'attaque. Ils accélèrent tout de suite pour qu'il n'y ait pas du tout d'attaque. Tatevic est dans sa roue, il y a Alexander Christophe, Zico Wintens et Kevin Reza qui reprend encore le contrôle de ce peloton. Un peloton emmené par la formation FDJ qui étire encore une fois de plus ce peloton. Pour casser un petit peu les sprinteurs, parce que là, vous savez, hein, d'ici déjà quelques années, la Primavera ne se termine que par des sprints, sur des sprints plutôt, à cause du parcours en question. Tish Benoit maintenant qui reprend le contrôle, le relais. Alors, attendez. Ah, l'image n'est pas bonne du tout. Allez, nos leaders sont là. On se dirige vers la Cipressa. C'est là que les peintures veulent durcissent la course. Si on veut vraiment durcir la course, c'est au niveau de ces capots. La Cipressa. Je vous montre. Il faut l'aborder dans les premières positions. Voilà, ce sont les lotos de Greipel. Zico Wittens qui répare. Une autre accélération de Zico Wittens, mais Alaphilippe est bien là. Il est bien présent pour calmer les ardeurs de Zico Wittens. Johan Ofredo qui se repositionne. Et Arnaud Demar, il est où Demar? Et ça accélère, hein. Ça accélère encore une fois de plus. Je pense que c'est Zico Wittens. C'est Alaphilippe qui reprend le contrôle encore. Arnaud Demar qui recule un petit peu dans le peloton. Ça va. Il est toujours dans le peloton, mais c'est pas bon en fait. Il y a un mauvais positionnement. Bah, Laurent Stendam qui se repositionne. Voilà, Zico Wintens qui paye le frais de ses accélérations. Voilà. Et ben, on se dirigera donc. Ben, ça sera encore un sprint. Et notre sprinter. Il est encore à l'arrière là pour se repositionner. Ce sont les Katusha toujours hein, d'Alexander Christophe qui roule. Et non maintenant c'est Thomas De Gendt. La loto. Aïe, mauvaise position là dans nos démarres. Attendez. Kevin Reza peut le remonter devant là. Sinon c'est fini. Hein. William Bonnet, il peut faire l'effort pour protéger Arthur Vichot, l'abrité du vent. Ouais, ça roule fort, hein. Ça roule fort, très très fort là. À l'approche du Poggio des San Man- à l'approche de Poggio. Attention, parce que là, le bon coup part souvent d'ici.
Est-ce que Demar est bien positionné? Allez, Grisa. Faut le repositionner là-bas devant. Voilà, Vichou qui reprend tout seul maintenant. Mais ça sera pas du tout pour Arnaud Demar. Arnaud Demar ne peut pas. Allez, qui roule en tête ici, c'est Tige Benot. Et ils durcissent les courses, les lotos. Allez, une première accélération d'Arthur Vichot. On va voir qui va bouger derrière. Ça revient tout de suite avec Tim Wellens. Là, qu'est-ce que je fais là? Allez, au sommet, il attaque au sommet et faire la descente à bloc. Je sais pas si ça sera suffisant parce que là, ça revient très très fort derrière. Arnaud Demar distancé. Il est très loin, très très loin Arnaud. Allez, c'est le moment de tout donner. Arthur Vichot peut remporter ses Milan-San Remo. Johan Ofredo, non, non, tu te calmes. Parce que là, 34 secondes, je pense que ça y est. C'est bon. Ça sent la victoire d'Arthur Vichot. Oui, Vichot qui lance les sprints. Voilà. Et victoire sous la Primavera d'Arthur Vichot. Oula. Vichot qui remporte donc cette Primavera. Et ben voilà, les amis. On se va se quitter sur cette très très belle victoire d'Arthur Vichot devant Caleb Erwan. On s'est dit à très vite pour la suite de votre carrière. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Portez-vous bien. Ciao.